boucliers surchauffent. On devrait se tenir à l'abri du soleil. Transporteur Gate. Attention. Ça devrait les occuper. Accès. Par là, c'est la mort. Rapport de situation. Combien d'hommes il vous reste? On était qu'un petit commando, une douzaine de marins. J'ai perdu la moitié de mes gars, mais ces crevures de synthétique l'ont payé cher. Qu'est-ce qui vous amène aussi loin c'est dans l'espace? Faut demander, Shepard. Moi, je me barre. C'est un truc avec le soleil. Il décline plus vite qu'il devrait. Un problème énergétique. Vous savez d'où les guettes sont venus? Système est sous contrôle, guette. Ça m'étonnerait. Leur patrouilleur. Vous tenez le coup? Avancez sans forcer. La lumière du soleil est tranchée au camp de base. Exfiltrer Talizora est notre priorité absolue. Si vous l'évacuez, vos arrières. Vous avez la confirmation que les guettes n'ont pas encore. Les meilleurs hommes sont avec elles là-bas. Vous prenez les marines sur ce tas de cailloux, on jurait de protéger Talizora. Tant qu'on n'y est pas tous passés, elle n'aura rien à craindre. Vous allez sacrifier votre vie. Je vais sacrifier ma vie pour la flotte nomade. Je n'ai rien à faire. Shepard, je suis un marine. On dit nomade. Les ordres sont de protéger Tali et les données. Si vous étiez. Tenez la position. Faites gaffe. Le soldat à la radio a parlé de charge explosive. Ta vie m'appartient. Mais...
leur apprendre à voler. Oups, excusez-moi, je n'avais pas vu que mon micro était coupé. Donc, je disais au début de la vidéo, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Mass Effect 2 sur PC. Donc, suite au recrutement de Samara, on fait le recrutement de Tali cette fois-ci. Désolé, j'avais pas remarqué que mon micro était descendu, enfin il était monté, ici. C'est pas grave. Boum, bada boum, boum, bada boum. Putain, je suis mort. Oups. J'avais oublié que ça nous tuait aussi quand on était prêt. C'est bien d'avoir une mitraillette. Hein. Musique copée. Attention. Cible hors de combat. Direct. Voilà. Que l'océan te recueille. La surcharge, ça fait mal. Dérive raffinée. Rien dedans. Oh, ça va pas arrêter. Ah non, pas si. Je vais les retenir. Bye bye. J'ai connu mieux comme position en équipe. Si on prend à gauche. Ennemi neutralisé. Voilà. Ça brûle. Ça brûle, ça brûle. Oula. J'ai fait glitcher le jeu. Oula. Exploser cela pour pouvoir passer. Voilà qui devrait suffire. Tout ça couvert. Ah là là, tout ça pour cela. Ces bâtiments sont d'architecture carienne. Une rareté aujourd'hui. Qu'est-ce qui pourrait attirer les cariens aussi loin dans l'espace guette ? Bonne question. Ça c'est bon. Ouais non, quand même l'arme est trop risquée d'utiliser au corps à corps. Répondez,
On va reprendre cela. Je vais prendre ça, on ne sait jamais. Ok. Shepard. Shepard ? Pas que je m'en plaigne, mais vous surgissez vraiment de nulle part. Qu'est-ce que vous faites ici, en plein territoire Gate ? Je passais dans le coin, j'ai pensé que vous auriez besoin d'un coup de main. Merci d'être venu, Shepard. C'est un soulagement d'entendre votre voix. Galrigar et ce qui restait de ses marines m'ont bouclé dans l'observatoire. De là où vous êtes, c'est après la porte, à l'autre bout du champ. J'ai les données que je cherchais. Et pour l'instant, tout va bien. Mais les Gates sont déployés en masse à l'extérieur. Et ces données que vous êtes venus chercher ? Elles concernent le soleil de ce monde. Quelle vie ! Je vous en dirai plus quand les guettes auront fini de... Et si je faisais intervenir le... Je ne crois pas. Ces bâtiments sont vieux de plusieurs siècles. Et si vous pilonnez le secteur, tout s'écroulera. Vous êtes seul ici ? Au moins quelques-uns ont survécu. Quelqu'un a dû sceller la porte de l'extérieur. Ça doit pouvoir se faire. Faites attention, Shepard. Ok, merci Tali. On va pouvoir continuer à avancer grâce à toi. Ils nous ont vus. Le dos. Ouais, je recharge du bouclier, tout ça. Oh, en plus, c'est bien, on voit la fumée sortir du sol. Hein. Repose en paix. Grâce au loué. Internet. Facile à viser comme ça. Je te vois. Voilà. Alors, on avance direct. Il n'y a rien d'intéressant dans ces zones, non ? Serait malvenu. Aïe. Là-bas, à couvert. Chef d'escouade Calrigar, des ma... Je ne sais toujours pas ce que vous foutez ici. Tali est à l'intérieur. Les guettes ont flingué le reste de mon escouade et ils cherchent à l'atteindre. Tout ce que j'ai réussi à faire. Vous êtes sûr qu'elle est... L'observatoire est une vraie forteresse. Même les guettes auront du mal à forcer. Les guettes ont déployé tout un bataillon. Mais c'est le colosse qui pose problème. Impossible de m'ouvrir une ligne de tir quand il est ramassé comme ça. J'ai essayé de... Votre combinaison... Je refuse de crever. Sur le flanc gauche, vous... En gros, quoi qu'on fasse... Juste une. C'est à peine si je peux bouger, mais je peux encore manier une arme. Vous vous rapprochez pendant que je pilonne ces boucliers. Avec de la chance, vous pourrez l'achever. Vous en avez assez fait, Rigard. Pas besoin de votre permission. Je dois protéger Tali, c'est ma mission. On n'est pas assez nombreux pour risquer de gaspiller nos forces. Restez ici. Je ne vais pas rester là pendant que vous allez au charbon, c'est gâteau. Vous tenez à faire honneur à votre escouade ? Couvrez-moi. Ah ! Ennemi à vue. Ah !
Bon. Je vais leur apprendre à voler. Mettra l'océan. Ah là 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 là. Ok, je vois. Je vais leur apprendre à voler. Repose en paix. À couvert, ils sont actifs. On avance petit à petit. En paix. Tu es poussière et tu redeviendras poussière. Venez cliquer à la Internet. Ma cible est blessée. Je n'ai plus de bouclier. Calme-toi. Another one. Voilà. Reste plus qu'un seul ennemi. Et ben voilà. Ça m'a revient de trouver. Bonjour Tali. Laissez-moi seulement terminer ce téléchargement. Merci, Shepard. Sans vous, je n'en... La mission a été un fiasco du début à la fin. J'aurais préféré vous rejoindre sur Freedom's Progress. Mais je ne pouvais pas me défiler pour une opération aussi risquée. Beaucoup de Cariens sont morts ici. Je ne sais pas, Shepard. La commission de l'amirauté estimait que ces données valaient le sacrifice de toute une escouade. C'est votre avis qui m'intéresse. Beaucoup de gens sont morts ici. Certains, ces données ont intérêt à valeur de coût. Elles nous ont coûté trop cher. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Le soleil d'Aestrom est instable. À l'époque de la... Vous savez ce que... Je devais conjecter. L'effet est comparable à la dilatation. Ravi d'avoir pu servir à quelque chose. J'avais promis de mener cette opération à bien et je m'y suis tenue. Et si les amiraux y trouvent à redire, qu'ils aillent au diable. J'ai vu toute mon escouade y passer. Peut-être pas tout le reste de votre équipe, dame. Regarde. Vous en êtes tiré? Votre ancien capitaine est aussi capable que vous le disiez. Ce colosse n'était pas de taille. Le Normandie peut vous exfiltrer si nécessaire, Rigard. Les guêpes n'ont pas endommagé notre vaisseau. Tant qu'on réussit à évacuer... Je ne viens pas avec vous. Je transmettrai les données à la commission de l'amirauté. Je vous la confie, Shepard. Et voilà, donc on a recruté Tali. Tali, 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 Tali. Cerberus vous observe depuis un moment, Talizora. Vos nombreux
grosses compétences technologiques. La flatterie ne prendra pas avec moi. Cerberus a déjà menacé la sécurité de la flotte nomade. Je ne vous fais pas confiance. C'est pour ça que j'ai besoin de vous, Tali. Je n'ai pas participé à l'opération sur la flotte nomade, mais je comprends votre méfiance. Je pensais que vous étiez en mission secrète, Shepard. Si c'est le cas, je serai la première à vous aider. Sinon, eh bien, c'est pour vous que j'accepte cette mission, pas pour eux. Vous devriez faire le tour du Normandie. On a rajouté... Je vais m'assurer que Talizora dispose de tous les codes d'accès au système. Oui, ce serait une bonne chose. Je ne peux pas faire partie de l'équipe si j'ignore comment. N'oubliez pas, Shepard. Cerberus n'a pas hésité à sacrifier des innocents pour tenter de contrôler le Taurien et les Rachni. N'oubliez pas de vous identifier. D'accord. C'est quoi cette zone du vaisseau ? Nous pouvons ainsi communiquer. Je vous déconnecte, Shepard. Alors, il me reste quelle quête à faire exactement ? Donc, il me reste que arrêter les récolteurs et une quête annexe. D'accord. Bon, pourquoi pas, hein ? Peut-être une amélioration. Amélioration d'armes, fusil, assaut. Des prototypes, équipement avancé, entraînement avancé. Munition pas fort, tiens pourquoi pas. Alors voyons voir ce qu'il y a à nous dire notre cher Tali. Peut-être qu'elle y est avant. J'ai eu une discussion très plaisante avec votre amie Tali. Elle n'a rien à voir avec l'idée. Tali est une bonne amie. Je trouve les Cariens fascinants, mais en même temps. De la peine. Ils ont des combinaisons magnifiques. Je me demande à quoi ils ressemblent sous leur casque. Quelle est la. Il y a quelque vous chose. Vous avez des. Autre chose, commandant. Ce sera tout. Si vous avez besoin de. Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Ok, alors on va aller la voir donc dans la salle des machines. Allez, Talizora. Hélas, ah, peut-être là-bas non, je ne sais pas où. Hélas, ah bah là. Shepard, vous avez un peu de temps. Ça a été un tel carnage, tout ça pour quelques données. J'espère que vous avez des nouvelles. Il m'a envoyé un. Quand une combinaison est perforée, on n'a plus qu'à se remettre à la chance. Rigard, ça n'est pas. Parlez-moi de la commission de la vérité. Le conclave est le pendant législatif de. Ça m'étonnerait que j'en entende. Vous retrouvez votre. J'aime le calme, mais. Presley, ça me révolte que Cerberus soit en charge de ce vaisseau. Vous êtes sûr que collaborer avec eux soit la meilleure chose à faire? Vous croyez vraiment qu'ils tirent les ficelles? C'est donc vous qui avez demandé qu'on installe ces mouchards qui grouillent partout. Je sais bien qu'il vous faut des ressources pour combattre. Vous croyez vraiment qu'ils tirent les ficelles? C'est donc vous. Je sais bien qu'il vous faut des ressources pour combattre les récolteurs. Ils finiront par nous trahir, c'est forcé. Ravi de l'entendre, Shepard. Je dois reprendre le travail. D'accord. Tous les voyants sont au vert. Cuve avant. Plotez-vous. Vous avez un peu. Vous avez un peu de temps. Tu dois vraiment décrasser ce moteur. Vous pourriez donner aux. Sans aucun doute. La dernière fois, les boucliers. Ah, nice. Je vous laisse. À plus tard. D'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va aller voir Jack. On va vite fait aller voir Jack et je pense qu'on arrêtera cette vidéo là. Ça fera une vidéo assez courte, mais. Ce sera suffisant. Salut, qu'est-ce qui se passe? Shepard, on a assez discuté. Ok. C'est ça. Donc, nous allons arrêter là pour cette vidéo, pardon. Donc, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime, surtout vous abonner à la chaîne. C'était TheZTel pour ChatTimeHD. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Vive les jeux vidéo!